Et hey, yop les potos, c'est Startor, on se trouve pour une nouvelle vidéo tuning sur le nouveau DLC Halloween. Enfin, c'est pas vraiment un DLC, c'est un petit ajout, vu qu'il n'y a pas vraiment eu de mise à jour, mais on peut dire ça comme un DLC. Donc là, on va tuner pour commencer la Albany Frankenstange. Ouais, on va dire qu'elle s'appelle comme ça. C'est une sportive classique, donc elle est au prix de assez cher, 500 et quelques mille, je crois, on va regarder de suite. Voyage et transport, hop, elle est à 550 000. Donc voilà, elle est plutôt bien faite, moi je trouve. Le moteur, on voit le moteur vibrer quand on accélère. Là, on le voit un petit peu. Ça fait plutôt pas mal. Donc on va rentrer pour essayer de la custom. Donc là, vu que j'ai plus beaucoup d'argent, je vais commencer par le custom physique. Donc je mettrai pas le moteur pour le moment. On verra ça vraiment à la fin. Donc frein, 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 ça on laisse. Capot. Je pense, j'hésite à laisser celui-là quand même. C'est après ça. Ça fait comme d'habitude ça quoi. Enfin, celui-là déjà j'aime pas. On va mettre le 2. On va mettre le 2, allez. Klaxon, on laisse. L'habitacle. On va mettre une petite statuette, allez, vu que c'est Halloween. On mettra à la fin en fonction de la couleur du véhicule quand même. L'éclairage. Les phares Xénon, oui, faut faire péter. Kit néon. Côté. Couleur, on verra à la fin en fonction de la voiture. Les motifs, donc les motifs, moi j'ai déjà choisi le mien pour éviter de les payer plus cher. Donc c'est la potion de minuit que je laisse, mais je vais vous montrer les autres. Donc il n'y a aucun motif, donc sans rien. Potion de minuit, donc c'est des flammes comme ça, violette. La fournaise infernale, donc c'est des flammes couleur feu. La mort brutale, c'est avec une tête de mort sur le côté, donc elle est plutôt pas mal aussi celle-là, j'ai hésité avec celle-là. Et le piège de l'araignée, c'est un truc un peu plus discret, c'est juste des toiles d'araignée comme ça là, sur les garde-roues et sur la porte. Et ouais, à côté du moteur, là on peut le voir, ici là sur le truc du moteur. Donc moi je laisse celui que j'ai. Peinture, à couleur secondaire, c'est quoi? Je vais regarder juste vite fait. Ok, donc on va déjà commencer par la couleur principale. Déjà on met du métallisé, ça c'est sûr. En blanc, je pense qu'elle serait pas mal. En blanche avec les flèches, avec les pas les flèches, les flammes violettes. Non, pas de vert déjà. Je vais regarder le blanc, je crois qu'il est un peu plus bas. Blanc, 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 blanc. Je sais même pas s'il y en a en fait. Ah, blanc givre. C'est pas mal comme ça, non? Blanc givre comme ça? Blanc glacier? Blanc givre? Allez, blanc givre. Ça fait pas mal avec la couleur des flammes. Ça, par contre, je vais regarder vraiment mieux ce que c'est. Ah ouais, c'est le dessus des roues. On va regarder ouais, avec du violet. Comme ça ferait pas mal, moi je trouve. Hein. Ça rappelle l'intérieur de la voiture et un peu les flammes. Allez, adjugé vendu. Emblème de crew, non. Vendre non plus. Suspension. On va la rabaisser. Allez, rabaisser. Transmission, ça je verrai plus tard. Je verrai par moi-même. C'est vraiment juste pour l'accélération, ça. On va mettre CD Lowrider. On va regarder un peu tout vite fait. Ouais, non, c'est vraiment les premières, les plus belles. Celle-là, en couleur, bien sûr. Couleur soit blanche, soit violet. Vraiment pour rappeler la couleur de tout ça. En violette plutôt. Là, il y a du mauve. Mais je sais pas s'il y a violet. Non, il n'y a pas violet, donc on va être plutôt mauve. Voilà, mauve nocturne. Les pneus, apparence des pneus. Pneus custom. Ouais, allez. Soyons fous. Fumée de pneus. On va laisser parce que ça fait assez cher pour le moment. Il me reste un tuning à faire après. Oh, ça oui, par contre. Après, il y a la deuxième, là, la sorte de corbillard aussi. Alors, éclairage, kit néon, couleur.
Rose vif, violet. Violet, après, ça ferait beaucoup de violet, je trouve. Blanc, ce qui est dommage, c'est qu'on les voit pas assez. Bon, rose vif, ça fait bien là. Allez, rose vif. On court sort, cette fois, on va aller l'admirer correctement. Voilà, avec les néons, on le voit bien mieux. Elle est vraiment magnifique, cette voiture. Voilà, hop, on va s'ouvrir les portes pour finir. Et ce sera tout. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve très bientôt pour une seconde vidéo tuning. Allez, ciao!